Érable, député de Repentigny. Hier, les citoyens de Mégantic sont venus demander une commission d'enquête publique sur la tragédie ferroviaire de 2013. Et qu'est-ce que le ministre leur a répondu, M. le Président? Qu'ils donnaient dans leur complot. 47 personnes brûlées vives à Mégantic, ce n'est pas dans un complot. En février, 3 morts en Colombie-Britannique dans un accident similaire, ce n'est pas un complot. L'augmentation des incidents ferroviaires depuis Mégantic, ce n'est pas un complot. Est-ce que le ministre va retirer ses paroles, cesser d'insulter les gens de Mégantic et ordonner la tenue d'une commission d'enquête sur la sécurité ferroviaire? Bravo! Madame ministre des Transports. Monsieur le Président, le complot, ça vient du Bloc québécois. Nous avons fait toute la lumière avec le BST et son enquête sur Lac-Mégantic. Monsieur le Président, j'ai rencontré des membres de famille qui ont perdu un fils ou une fille, un père ou une mère, un frère ou une sœur. Et je peux vous dire sincèrement que les Mégantiquois veulent se tourner vers l'avenir et c'est ce qu'on va faire. Merci.